Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Martinique Actualité.
Thank you.
Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les moments, Seigneur, nous sommes à la preuve. Accepte notre silence et notre prière pour Jean-Paul Albin, surnommé Bono, que tu connais et que tu aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume. Et que ton amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu'au jour où tu le réuniras de toi pour les siècles des siècles. Amen. Des profondeurs, je prie à toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu maintiens les femmes, Seigneur, Seigneur, il subsistera. Mais qu'elle croit sur toi, je ne parle pas pour que l'homme te crée. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que veilleur de guerre de l'Europe. Plus que veilleur de guerre de l'Europe, attend le Seigneur Israël. Oui, que le Seigneur est l'amour, que le diamant de la rache, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Thank you.
Que le Dieu de l'Esprit entre dans la plénitude, la paix à la foi et le Seigneur soit toujours avec nous. Et avec nous. Père Dieu, nous sommes bénis pour obtenir notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, nous félicitons de la paix, la famille de Dieu, à la et également le Fils de notre vie. Nous sommes réunis dans ce jour de tristesse et de deuil pour accompagner notre frère François Jean-Paul Albert, surnommé Polo, mais aussi pour nous permettre de compatir à la douleur qu'éprouve sa famille, ses proches, ses amis. Par notre présence, nous portons le témoignage concret de notre amitié et de notre sympathie fraternelle. Le frère Jean-Paul est né le 9 mars 1946 au Robé. Il a grandi dans une fratrie de 11 frères et sœurs. Il était domicilié à Mansante, Catalogne, bâtiment Balata, le Robé. Jean-Paul exerçait la profession d'instituteur retraité. Il a consacré sa vie à l'éducation sans ménager sa peine. Il vivait avec passion et dévouement cette mission auprès des enfants. Il savait l'importance des repères fournis aux jeunes pour qu'ils puissent tracer un chemin de vie. Avec patience et générosité, il a cherché à être auprès d'eux un compagnon de route sans démagogie, mais avec le souci de les comprendre et les aider dans leur parcours. Que le Seigneur accueille Jean-Paul comme il a accueilli les petits. Arrivé au terme de sa belle mission, que le Seigneur lui donne la place qu'il réserve à celles et ceux qu'il appelle les bénis, parce que tout ce qu'ils ont fait aux plus petits des siens, c'est à lui qu'ils l'ont fait. Maintenant, nous allons écouter un membre de la famille qui doit faire la biographie. Polo, François Jean-Paul Albin, né le 9 mars 1946, était le 7e enfant de la famille de trois enfants.
qui était avant tout un homme de grand cœur, doté de multiples talents, dont le principal était sa voix d'ange. Instituteur, au service des enfants en difficulté, adepte des arts martiaux, auteur, compositeur, interprète, il s'est investi globalement dans la vie politique de sa ville natale en devenant conseiller municipal. Il a découvert son goût et son don pour la musique dès l'enfance et a entamé une carrière que nous connaissons au sein de différents groupes. Il a poursuivi en solo et est devenu sociétaire de la SACEM. S'est récompensé d'un micro d'or. Il a découvert son don, son goût pour la musique dès l'enfance. Il a entamé la carrière que nous connaissons au sein des différents groupes. Il l'a poursuivi en solo, est devenu sociétaire de la SACEM. S'est vu récompensé par un micro d'or. Polo nous laisse un patrimoine incroyablement multigénérationnel, fait d'un panel de musique connu de tous. Nous ne trouvons pas de mots pour dire que Jean-Paul va nous manquer. Adieu. Oui, bon. Un membre du groupe l'appelle Fanta. Oh!
Dieu est notre Père. C'est un pouvoir. Nous l'avons porté. Nous l'avons déposé. Seigneur Jésus, rappelle-toi. Tu es né jusqu'à mourir pour nous. Tu es ce pouvoir sur ton cœur. À la vérité de ton amour. Et pour nous, à la et pour chacun de nous. Écoutons la lecture de la première lettre de Saint-Paul-Apôtre
au Forex. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés. Et cela instantanément, en un clin d'œil, quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira en effet, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Tant Jésus vit toute la foule qui le suivait,
il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvra la bouche et il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. La famille de M. Jean-Paul Albert, c'est nommé Polo. Et c'est vrai que la mort de frère, la mort de nom, la mort de Dami, la mort de père, la mort de l'éducateur, la mort de collègue et de travail, la mort de l'ami avec qui on a œuvré dans la musique, avec qui on a vécu de bons moments, également des moments difficiles, bien c'est toujours une épreuve. Et ce n'est pas seulement un débat, c'est une part de notre histoire qui, en tout cas, semble s'achève une nouvelle page. Notre histoire et à décrire avec la mémoire, avec le souvenir de tout ce que nous avons pu vivre avec Polo, Albert et tout ce que nous avons traversé également avec lui. Et c'est vrai que c'est aussi une déchirure, oui, la mort de notre cher. Et également une souffrance. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour nous de nous tourner vers Dieu, de nous interroger sur notre propre foi, de nous interroger sur le sens de la vie. Et puis, la première lecture nous rappelle que Dieu nous fait la promesse de la vie éternelle et à chacun de nous. Il nous dit dans cette première lecture, bien nous serons transformés quand retentira le signal au dernier jour. Et il faut que ce qui est périssable bien devienne impérissable et se transforme. Et certainement, nous nous interrogeons, nous disons, qu'est-ce qui va rester de ce que nous avons vécu avec oui, le Seigneur dit qu'il veut que quelque chose reste et nous aurons l'occasion de réfléchir, de faire mémoire du parcours que nous avons vécu avec lui. En tout cas, le Seigneur vient nous rappeler que la mort n'est pas le dernier mot de la vie. Si le défunt, c'est quelqu'un qui connaît l'époque de la mort, c'est surtout celui qui a accompli sa tâche, sa mission, tâche de frère, de fils, tâche d'enseignant, tâche de musicien, de chanteur, tâche d'ami, tâche de moniteur, de rabatté, tâche bien. Quelqu'un qu'on a rencontré un jour sur sa route,
et qui nous a montré que nous avions de l'importance et que nous avions de la valeur. Bien, son manager me disait que ce qu'il retient de lui, c'est son côté humain, son humanité, son désir toujours bien de répondre aux attentes, aux besoins des personnes, y compris des petits. Et je me souviens d'une des expériences que j'ai eues, c'est à son école, bien je voyais que l'un de mes neveux était en classe, j'appelle les enfants, et tous les enfants l'appelaient Polo. Voilà, et les enfants, bien, reconnaissaient en lui quelqu'un qui était proche d'eux. Et en tout cas, son manager me disait, bien, oui, il avait également une force. Une force pour surmonter les épreuves. Et c'est sûr que les épreuves, il en a connu dans sa vie. Et bien sûr, il avait de la joie à travers ses chansons, à travers sa passion. Il n'est pas un métier. Pour lui, chanter, c'était une passion. Et il a essayé de donner le meilleur, bien de ce qu'il pouvait donner, bien sûr, à sa famille, qui en a témoigné, pour qui il était un homme exemplaire, un homme qui avait toujours une blague, quelque chose pour faire rire, pour beaucoup d'humour. Et également, bien, oui, le Seigneur nous invite à traverser cette vie et nous questionnons qu'est-ce qui va rester de ce que bien celui qui nous quitte aujourd'hui a donné. Bien, bien sûr, le Seigneur nous appelle à l'éternité. Et dans l'évangile de ce jour, quel que soit ce que nous aurons pu vivre durant cette existence, nos difficultés, nos peines, nos erreurs aussi, puisque aucun homme n'est parfait et personne non plus ne fait l'unanimité. Et le Seigneur vient nous appeler à l'éternité. Oui, il y a bien quelque chose dans l'homme qui est impérissable et que le Seigneur accueille lorsqu'il quitte cette terre. Le Seigneur nous invite à l'espérance aujourd'hui et nous dit dans les béatitudes que bien nous devons vivre comme ayant déjà la victoire d'entrer dans le royaume, la victoire d'être vainqueur de toutes les forces du mal. Et le Seigneur nous dit, heureux les doux, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, ils obtiendront la terre promise, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Le Seigneur ne demande pas de nous apitoyer sur notre sort, mais il s'invite à regarder plus loin, voir au-delà de la souffrance, au-delà de l'échec, bien la victoire que nous avons déjà avec lui dans le royaume. Et puis, le Seigneur demande quelque chose en retour, être miséricordieux. Être à l'écoute de la misère du prochain. Et je crois que celui qui nous quitte aujourd'hui, pour le rappel, bien d'après les témoignages, a été à l'écoute, a été sensible à la misère des autres. Oui, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si nous vous insultons,
si l'on vous persécute, si l'on dit forcément plutôt de mal contre vous, à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans la négresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Celui qui nous quitte aujourd'hui a eu une vie, et c'est vrai que l'épreuve l'a marqué, a traversé cette vie, la frustration, la calomnie. Et mais de ce que j'ai pu entendre, de ce qu'il a chanté, il disait, n'oubliez pas qu'on a là pour l'avoir empêché de mourir. Et je crois que si nous avons une prière à faire, c'est de demander au Seigneur, mais Seigneur, fais que l'amour nous permette de nous rapprocher les uns des autres, et justement que l'amour nous empêche de mourir dans la diffamation, dans la calomnie, que l'amour justement vienne nous permettre de vivre, de nous élever. Et c'est un message vraiment qui est au cœur de notre vie, et celui qui nous quitte aujourd'hui s'appelle toucher les souffrances des personnes. Oui, on peut traverser les souffrances, mais on peut aussi se relever. On peut aussi être dans l'espérance. Et quel que soit ce que nous pouvons avoir vécu comme tragédie personnelle ou collective, bien, ça ne nous autorise pas bien de dire ni faire certaines choses. Et il invitait l'homme martiniquais à s'élever. Et on ne pouvait pas se cacher derrière le passé pour faire ou dire ou avoir certaines attitudes. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui croyait que nous pouvions être plus que ce qu'on a fait de nous, et que nous pouvions nous élever, et il n'y avait pas de raison de se cacher derrière l'abomination ou être abominable soi-même. Et je crois que c'est quelqu'un qui nous a aidés, nous aidera encore bien à nous élever et à être davantage proches les uns des autres dans l'amour. Et puis, c'est quelqu'un également, finalement, parce qu'on peut le voir, a beaucoup chanté Dieu à travers la chanson, la divinité. Il a chanté la beauté de la relation homme et femme. Et à travers cette chanson, finalement, bien, on voit qu'il rendait grâce au Créateur, et finalement on peut se demander, est-ce qu'il n'a pas chanté Dieu, son amour de Dieu, plus que beaucoup? Et je crois que c'est ce que Dieu lui-même retiendra, un homme qui lui a dit merci pour ce que tu as fait de l'homme, ce que tu as fait de la femme. Merci pour cette relation, bien que tu as voulu entre l'homme et la femme. Et c'est le point de départ de tout, de la base de la société, la relation entre homme et femme. Et il a dit, non seulement il a chanté, mais il a rendu grâce à Dieu pour cela. Donc, cette chanson qu'il a interprétée, la divinité. Et je me souviens lorsqu'il chantait « Toute bagaille parlée » et c'était déjà une reconnaissance. Finalement, nous devons tout au Créateur. Et je crois que ce que nous pouvons demander au Créateur aujourd'hui, bien finalement, d'accueillir dans son royaume, d'accueillir dans son paradis, bien celui qui a travers ses chansons
la cécite, le louer pour tout ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il a fait de nous. Eh bien, frères et sœurs, toute vie commence, toute vie s'achève, mais la vie du chrétien, la vie de l'homme, est appelée à durer au-delà de cette existence. Et si le défunt a accompli sa tâche dans ce monde, bien il est invité à vivre une autre vie auprès de Dieu. À nous qui restons de garder, de transmettre tout ce que celui qui nous quitte aujourd'hui nous a transmis et de bon. Nous gardons tout ce que nous avons vécu de bon avec lui, les bons moments. Et nous prions pour que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Oui, auprès de Dieu, il y a une autre vie, une vie transformée, il y a plus de vie. Et ce que nous croyons, c'est ce que nous demandons au Seigneur, pour celui qui nous quitte aujourd'hui. Amen. Yeah.
Père, toi qui nous as donné la lumière du jour, tu nous as fait non pour la mort, mais pour la vie qui n'a pas de fin. Accorde à François Jean-Paul Albert sur le mépolo qui nous guide aujourd'hui la vie en plénitude près de toi. Nous te prions. Ceux dont nous avons connu le visage et qui ont
ont reconnu ton visage avec l'immense volonté de tous les saints. Enfin, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que l'entrée. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère pour le lendemain. Avec respect et affection, construisons la vie dans l'espérance de nous retrouver un jour. Lorsque l'amour de Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Voyons-nous en passant à tous ceux que nous avons vécu avec pour eux, à ceux qui l'aiment pour nous. À ce qu'il est pour Dieu. En signe de respect pour vous, pour le Albin, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. La paix du soir, la paix du soir.
diffuseront. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. François Jean-Paul Albert, surnommé Polo, ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi. Au diable, ni deuil, ni larmes, ni douleur. Mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Au nom de la communauté paroissiale, je tiens à présenter à la famille de M. François Jean-Paul Albert sur le Bépolo, nos sincères condoléances, et au nom de la paroisse, au nom de son curé, le Père Philippe Lessila. Condoléances, bien sûr, à tous ses amis de la Perfecta, tous ses amis musiciens, tous ses collègues du conseil municipal de la ville de Roubaix, tous ses anciens collègues de travail, de l'enseignement, de l'éducation nationale, tous ceux qu'il a connus à ce club de karaté et tous ses amis. La messe de funérailles, la messe de sortie pour M. Jean-Paul Albert aura lieu le vendredi 29 novembre, ici à 6h30 au Roubaix. Vendredi 29 novembre à 6h30. Jésus,
que le Seigneur de feu nous a été destiné pour cela à se rapprocher de notre cœur pour récupérer les gens, pour accompagner le défunt. Merci.
continue de venir tout de suite avec nous. Dans ce lieu où autant de défunts de nos familles ont précédé celui qui vient de nous quitter, Paul Walbin, dans ce lieu où autant d'hommes et de femmes viennent se recueillir sur la tombe d'un être cher, faisons d'abord silence en laissant nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu. Pères et sœurs,
disons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu ne peux accepter, Dieu saint et vivant, que tes enfants soient vaincus par la mort. Tu veux que les hommes, créés à ton image, vivent pour toujours de ta propre vie. Nous avons raison de te prier pour celui qui nous quitte aujourd'hui et qui va reposer en ce lieu. Efface toutes ses fautes, donne-lui le bonheur de vivre auprès de toi et de te célébrer sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Frères et sœurs, prions ensemble et disons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie les larmes, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère Polo, pour qui nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Tu as sanctifié Polo dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure-toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Nous possédons la bénédiction de la matin. Que Dieu Tout-Puissant bénisse cette tombe où va reposer. Nous voulons reposer notre frère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous confions notre frère et tous ceux qui reposent dans ce tombeau à notre Seigneur, demandant à la Vierge Marie de l'accompagner, de vous accompagner. Nous disons, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que notre frère repose en paix dans ce lieu où beaucoup de membres de sa famille l'ont précédé. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Si quelqu'un souhaite s'exprimer, la famille, c'est le moment. Donc, je peux nous manifester de ce qu'il le souhaite. Bonjour, je me présente, le voisin de Polo. J'habite Polo, j'habite le voisin. Et nous étions comme deux frères. On s'est toujours dit bonjour, on s'est toujours salué. Et ses enfants, ses petits-enfants, on était vraiment proches comme une famille. C'est pourquoi aujourd'hui, vu mon... Bon, peut-être c'est pas tellement bien à dire, mais je ne sais pas. Mais je dois suivre le sabbat normalement. Et j'ai choisi de venir voir pour lui.
c'est parce que je l'aime beaucoup. Et je lui souhaite que Dieu Tout-Puissant puisse être avec lui. Parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup donné d'amour. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.